Dans cette vidéo, nous allons voir comment partager un dossier à d'autres utilisateurs sur Google Drive. Pour ce faire, rendez-vous sur Google Drive. Vous pouvez voir que j'ai ici un dossier, et donc pour le partager à d'autres personnes, il suffit de faire un clic droit dessus, ou alors vous cliquez sur les trois petits points, et vous allez sélectionner ici « Partager ». À partir de là, pour le partager, vous avez deux solutions. Soit vous allez ajouter des personnes ou alors des groupes, donc à partir de leur adresse mail Google. Je vais mettre par exemple une adresse mail au hasard. Puis vous allez sélectionner ici l'adresse mail correspondant. Vous pouvez alors choisir de lui envoyer ou non une notification, d'y insérer un message. Sans oublier ici de choisir l'option. Par exemple ici, il est en éditeur, c'est-à-dire que l'utilisateur peut modifier le contenu du dossier, par exemple en ajoutant des fichiers, en supprimant, etc. Puis vous cliquez sur « Envoyer ». Juste ici, on peut voir que le logo « Dossier » a changé. Car en effet, maintenant, c'est un dossier partagé. Maintenant, deuxième solution pour le partager. Donc, on refait la même manipulation, partager. Mais cette fois-ci, vous pouvez copier le lien et l'envoyer, par exemple, dans un mail ou en message à une autre personne. Et sans oublier, dans l'accès général, de sélectionner tous les utilisateurs qui ont un lien. Et de sélectionner, pareil, à côté l'option lecteur, commentateur ou alors éditeur. Et une fois terminé, vous faites OK. Et donc, les autres utilisateurs pourront télécharger, par exemple, le dossier Google Drive. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire, nous avons déjà fait une vidéo dessus et le lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.